Hey, salut les petites biloutes, c'est Goloric. Allez, on est parti sur un nouvel épisode de No One Survived. Dans les épisodes précédents, on a découvert ce qu'il y avait hop, dans le camp ici, au camp militaire. Il n'y a pas eu trop d'ennemis. J'ai récupéré un maximum de munitions, donc en tout cas, les munitions, ça c'était super. Regardez tout ce que j'ai. Hop, on va libérer. Allez, regardez tout ce que j'ai ici, c'est vraiment énorme. Et encore, j'ai pas pu tout récupérer parce que je suis full. J'ai trop de choses, c'est énorme. Là, j'ai envie de me créer un petit avant-poste ici, au niveau du pont, pour voir ce qu'il y a là. Je vais pas trop m'éloigner du camp qu'il y a ici, hein, parce que j'ai toujours l'intention de faire ma petite base avec les éléments pour créer, comment dire. Et donc, hop, comment ça s'appelle? Les centres de PNJ, on va dire ça comme ça. Hop, c'est l'extérieur. Centre de contrôle et tout. Donc j'ai quasiment tout de l'autre côté, mais bon, ça me coûterait rien de le rapprocher ici hors caméra. En tout cas, on va essayer de se trouver l'emplacement le plus propre, le plus plat. Pas trop loin d'ici parce que franchement il y a encore pas mal de ressources à récupérer. Quand même voir ce qu'il y a dans le coffre. Non, des sacs pas utiles, je suis full déjà. Après je sais pas si je peux remplir le sac, le mettre à terre et prendre ce qu'il y a dans le... Prendre le sac sur moi. Il faudrait que je fasse un test sur ça. Parce que si je peux faire ça, je m'amuserai à remplir des sacs et les garder sur moi. Donc en tout cas, ici, il y a quand même des coins assez plats. Donc le pont, ouais, il m'a l'air petit. Quitte à prendre un coin avec de la route, hein, c'est pas si gênant. Hein. Si, moi, je suis sûr que c'est plat. Du coup, je voulais, donc, si les personnes ont suivi l'épisode précédent, c'était m'installer sur le pont. J'aurais pensé que le pont y aurait été beaucoup plus grand. C'est vrai que c'est toujours plus grand sur les cartes. Mais bon, j'essaierai de voir là, peut-être encore à la rigueur. Ça a l'air d'être plat. S'il n'y a pas de zombies, s'il n'y a pas d'apparition de zombies. Je dirais pourquoi pas. Je pourrais faire là, jongler avec la route. Hein, parce que ici, c'est quand même assez plat. Donc me poser ici, je dirais. Me poser ici, jongler avec la route. Et comme ça, moi, je pourrais partir là-bas facilement. Il y a l'air d'avoir beaucoup de bâtiments. Là, pareil, à côté de la caserne, il y a eu des bâtiments. Je les ai vus quand je suis parti pour en avoir. Ça pourrait être très intéressant. Deux batteries, ok. Dans le coffre, il y a quoi? Corps de munitions. Bon, voilà, je suis full, 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 full. Donc là, ça a l'air vraiment, vraiment plat. En tout cas, je pourrais vraiment voir venir. Moi, je pourrais construire juste que là-bas la lisière. Je sais pas si les zombies nagent, mais bon. On va pas trop s'approcher. Enfin, bref, on va essayer de s'installer ici. Surtout que là à côté ça a l'air immense quand même. Ça a l'air vraiment immense. Bon. Non, c'est pas ça. 6, s'il te plaît. On va déjà regarder. Pour poser tout ce que j'ai d'inutile dans le coffre du véhicule, ça me prend de la place. Espérant que ça n'a pas despawn. Parce que niveau munitions, waouh, ça despawn, je deviens fou. Niveau engrais, voilà, je suis bien aussi. Médicaments, pareil. Et surtout que médicaments, j'ai pas fini de l'autre côté.
Moi, j'ai quelques paquets de 9 mm, ça c'est bien. Bah, achète, on va la garder. C'est au cas où qu'il y aurait des zombies. Bon, on va essayer de récupérer tout de suite des cailloux. On va essayer de faire le feu de camp rapidement pour pouvoir manger. Je n'ai pas chargé la partie entre l'épisode précédent et celui-là pour éviter le spawn de zombies au camp. Comme ça, moi, je pourrais récupérer facilement les ressources que j'ai besoin. Là, il y a pas mal de cailloux. Pourquoi déjà? 6 pierres et un bâton. J'ai 7 pierres, 6 pierres. Donc, je vais placer le feu de camp, si bien pareil, ça c'est pas perdu. Je vais déjà voir pour faire cuire de la nourriture pour pouvoir manger. Je vais aller chercher une marmite assez rapidement aussi. J'en avais qu'une. Ok, bon bah c'est pas grave. Lucide, moi ça va, c'est ce qu'il me faut en plus. Voilà. Ouais, je peux pas, ça m'étonne. Voilà. Bon. Je vais récupérer. Je vais le placer même. Non, pas ça. Il me faudrait rapidement. Ça, il faudra une boîte à outils. Donc voilà, je sais qu'il y en a de côté. On va aller chercher du bois. Chercher un fond de bois. Je vais voir pour faire quand même un petit tour là-bas. Si je trouve ma caisse tout de suite, j'ai pas besoin de repartir au camp. J'ai besoin de me laver. Donc moi, je vais faire mon bâtiment principal beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Pour l'instant, je fais juste un petit camp, quelques plateformes pour moi mettre mon lit. Ce niveau sommeil, ça va. Comme ça, au moins, ça me permettra. Comme ça, moi, ça me permettra d'avoir un pied-à-terre. Et après, je le ferai beaucoup plus grand. Là, je ferai mon truc hors caméra. Sur ça, il ne faudra pas s'inquiéter. Ben, je vais pas vous obliger à me voir construire. Bon, ça, je pourrais le faire facilement. Plus long, ça sera rapporté tout de l'autre côté. J'espère que je vais récupérer un véhicule rapidement. Ou ben, si je trouve tout de suite ma caisse. Voilà, je vous dis, ça a l'air immense là-bas. On va mettre tout ça là, s'il y a encore de la place. Ou pire encore dans le moteur. Que ça passe. Flèche, j'en ai vraiment pas beaucoup, donc je vais remplacer ça par là.
Hachette. Machette. Pas hachette. Hachette, c'est une hache. Une machette, c'est ça. Voilà. Ah, par contre, peut-être. Voilà, il n'y a pas de cailloux. J'essaierai de trouver peut-être ici un petit coin où il y aurait des pierres. C'est vrai que là, il n'y en a pas. De l'autre côté, oui. Mais bon, si je trouve comme là, ça a l'air d'être des dépôts. Il y aurait peut-être donc les minerais directement dans les coffres. Donc, j'aurais pas besoin de le miner. Ah, j'allais dire, il y a de la neige là-bas, c'est blanc. Les granges comme ça, je vais pas trop aimer parce qu'il y a généralement rien dedans. Très très peu de choses. Ah, là, il y a l'air d'avoir déjà un peu plus de caisses. Ouais, mais je ne pas qu'il soit vide non plus. Minerai de cuivre, minerai d'argent. Je vais pas le prendre, mais je sais qu'il y en aura ici. Voilà, on va remplacer la mienne. Il en dehors. Non, c'était qu'à. Ouais, il y a l'air d'avoir des caisses. Pas mal de caisses, ouais. Ça, je vais récupérer. J'en aurai besoin. Ça, je vais le prendre. Sans moi, si j'ai besoin de miner de la pierre. J'en aurais eu une. Ah, il y a de la, y a de la nourriture. Y a beaucoup de nourriture. Fais chier. Là, j'ai besoin d'une case à outils. Il va pas me la donner. Ah, bah tiens, je vais prendre le pot tout de suite. Ça, c'est bien. Moi, je l'aurai tout de suite dans mon camp. Moi pareil, là, je récupère ça, je préfère des charbon de bois plutôt. Je préfère comment dire des caisses. Charbon de bois va prendre. Ça, je vais le prendre comme ça. Moi, je vais faire le comment dire. Le verre, le travail du verre. J'avais vu du charbon de bois. Ah, pareil. On va pour faire cuire des choses tout de suite. Niveau sommeil, ça va encore. Il y a quelques caisses.
Là, il y a un cargo. Hélicat. Par contre, véhicule, pour l'instant, j'en ai vu qu'un. Fonctionnel. Donc, qui pourrait fonctionner. J'en ai trouvé qu'un. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. Un explosif là-bas. Il y a souvent des trucs dedans, des caisses. Voilà, j'ai ma caisse. J'ai pas trop. Pas trop forcé, on va remplir mal l'inventaire. Ouais, par moment, je tourne la vue, j'entends marcher. Et... Pas mal de véhicules. Un gros là-bas. Encore une caisse, je vais la prendre quand même. La pile, pareil. Ouais, le plus long, ça sera rapporté mes ressources que j'ai de l'autre côté. On a les plus grosses ressources. Ouais, je dirais deux allers-retours. Trois à tout casser. Ça va être long. Mais bon, ça, pareil, je le ferai hors caméra. Pas mal d'outils ici aussi. Ça, c'est cool. Des caisses. Ça y est, maintenant que j'ai ce... J'en ai trouvé une. Allez, on va m'en donner 50 000. Y a pas mal de crotons aussi, de pierres. Ça, ouais, ça doit être une carrière ici. Donc là, je pourrais être bien niveau minerai. Des caisses. Oh, j'ai une pile par contre. Bon, en tout cas, il y a vraiment des choses utiles. Ok. Agriculture level 2. Ah là là. Une veste, moi ça va être bien pour l'hiver. C'est vrai qu'il faudrait que je me prépare aussi pour ça. Tailleur level 4. Mécanique level 4. Hein. Mécanique level 4, ça pourrait être intéressant. Ça sauve pas. Ok, bon, il faut taper. Donc sur les. Il m'a quand même tapé. Ouais. Donc sur les portes, voilà, il faut les ouvrir en tapant dessus. Éteins le rangé level 2. Par le gant. J'ai toujours les miennes, j'ai toujours les miennes. En tout cas, pareil, j'ai vraiment pas mal de ressources ici. Sans compter qu'il y a le camp militaire juste à côté. Médecine level 1, j'ai déjà fait. Ça, hop, ça, je peux le prendre par contre. Que j'ai le level 1 qui est dans mon. Dans ma chariot. Dans ma chariote. J'allais dire. Pas mal de zombies, surtout le gros. J'ai à faire attention. C'est plus le gros qui me fait peur.
vraiment un truc à ouvrir ici. Là, je serais plus à la recherche de nourriture, de boîte de conserve. Parce que tout est de l'autre côté. Quoi, j'ai de la nourriture fraîche encore au niveau des caisses derrière, mais bon. Là, j'en ai quelques-unes. Barre de céréales, boîte de conserve. Déjà mieux que rien. Oh. J'ai plus de munitions. Allez, Harley Quinn, meurs. Il y a quand même des maisons, pas mal de maisons, mais bon, il y a quand même des gros tours. Hein, surtout. Un là-bas qui tire. Un là-bas qui explose. Bon. Je vais repartir directement à mon petit camp. Je sais pas s'ils peuvent traverser comme ça à la nage. Il y a vraiment pas mal de zombies. Je mettrai quand même un poil de défense sur le coup là. Ça sera construit. On va faire les caisses tout de suite. On va poser rapidement à terre. Ça, moi, je peux vider ce que j'ai dans ma chariote. Ma chariote. Dans mon chariot. Je sais pas pourquoi ma chariote. Donc, mon chariot. Ouais, ici, je peux faire un fond de place. Ça, c'est cool. J'aurais vraiment pas mal d'emplacements. Non. Il se clique. C'est combien déjà? On va déjà les poser. Pour l'instant, je mets tout en vrac, hein, je cherche même pas à comprendre. Et je rangerai au fur et à mesure, surtout quand ma maison sera construite.
Non. Voilà, moi avec tout ça, je pourrais repartir avec mon chariot. Donc la priorité de la nourriture. Je regarde un truc. OK. Donc là j'ai une poignée verticale. Non. Donc là j'ai au moins un silencieux, donc ça peut être bien. J'ai un chargeur, c'est bien. Ok, c'est des grosses fusées de snipe. On sait jamais. Hein. Un moment tellement teubé. Tous les coups, il y a encore tellement d'accessoires de l'autre côté. J'y arriverai à trouver ce que je veux. Donc là, museau, peut-être un silencieux. On va regarder si j'en ai pas un autre. Silencieux, fusil, fusil. Non, il doit pas. Je crois pas que j'en ai. Non, tant pis. Ok, j'ai gagné quand même 5. 5 balles. Oh. Ah oui, il faudrait que je mette l'eau quand même assez rapidement. Voilà, on va le mettre là et on va aller chercher là-bas. Au niveau munitions, je suis même très content. Anglais, ça va avec tout ce que j'ai encore de l'autre côté. Fabriquer tout de suite, il faut quoi?
Va peut-être me manquer le tissu aussi. Le tissu, j'en ai 4. Ouais. Non, on va y aller à pied, si bien j'ai pas beaucoup de choses dans mon inventaire. Oh, j'ai encore deux bricoles. Voilà, ça va pas le prendre. 18 kilos. Il n'y a pas de grosses créatures, ça pourrait passer. Tant que j'ai un silencieux avec ça, ça pourrait passer. J'ai encore 60 balles sur le côté. Que je trouve à boire facilement. On est en automne. Ok, moi j'ai intérêt à me dépêcher pour faire ma petite base. L'hiver il va vite arriver. Ouais, en tout cas il y a de la construction sur ce côté. On va aller sur cette construction avant de passer le pont. Pareil, encore une construction là-bas. Hey, j'ai mis un silencieux, hein, c'est pas pour que vous l'entendiez. Ça peut aller encore. Allez, je l'ai vu lui. Allez! On va passer de l'autre côté, tant pis. Elle m'a dit non, non avec la main, hein, on est bien d'accord. Hein. Un frigo. Manger, bah, y a rien à boire. Manger. Allez, moi ça me fait un fond de nourriture de l'autre côté. J'y pense, j'ai la marmite que je peux remplir. Bah techniquement dans l'eau, oui, je pourrais remplir. Bah non, quoique je peux pas les mettre dans les mains. Mais remplir. Ah, ça c'est bien ça par contre. Bon, si j'ai vraiment soif, je ferai ça. Trop grave. Barre. Ouais, ça veut prendre.
un explosif là-bas. J'aime bien ce bruit. Il y a un beau petit bruit, je trouve. Ah, par contre, j'ai infecté, j'ai rien pour me soigner. Ça craint. Je risque de mourir. J'ai pas de lit. Je crois que je vais faire un lit tout de suite. Mettre un point de spawn, tant pis. Je vais le mettre dans le restaurant. Sérieux? Dépêche. Alors pour dormir. Quitte à mourir, je meurs là. Hein. Voilà. J'avais pas. J'avais pas de quoi me soigner. 106 zombies quand même. Voilà, ça c'est cool. Bon, moi tout est revenu à la normale. J'ai pas l'air d'avoir perdu de ressources. En tout cas, ça c'est re. Ah, des balles. Si j'ai perdu des balles, je crois. Ou non, quoique. Non, il a rechargé, donc non. Je n'ai pas perdu de balles. J'avais vraiment bien tiré tout à l'heure, donc. Des balles, ça c'est cool.
Tout à l'heure, j'ai réussi à les ouvrir, hein. Et merde, foiré. Bon, je vais pas rester ici. Je vais pas trop rester ici, je vais repartir directement à mon camp de base. Il y a encore de l'engrais, donc ça c'est cool. Ce qui va me manquer ici, ça va être peu de nourriture. Même s'il y a de la nourriture comme ça me fait chier quoi. Et pareil, il y a une assez grande structure là-bas, donc on ira la voir après. On va retourner au camp de base. On va récupérer un maximum de bois. Non. On va aller se promener, on va essayer de récupérer des ressources, comme ça au moins vous verrez ce qu'il y a. Un niveau place inventaire, on va être quand même un peu bas. La nourriture. On va quand même checker ce qu'il y a là. Oh, chariot élévateur. Je peux pas le récupérer. Dommage. Oh, t'es marrant. Moi, sérieux, je récupère un truc comme ça, je blinde et je fonce dans tous les zombies. Hein. Tu mets les pales assez haut. Hein? Réparer à tous les coups, je pourrais récupérer du pétrole. En tout cas, là, il y a pas mal de minerais. Dans le secteur. Là, il y a des cailloux, donc ça c'est bien. Voilà, le coin c'est là. Je m'en suis un peu douté. Donc ça c'est très très bien. Au moins,
L'emplacement est idéal. Il y a vraiment beaucoup. Oui, j'ai eu peur. J'ai vraiment pas mal de coins à exploiter dans ce secteur, mieux que l'autre. L'autre, il y en avait, mais voilà, c'était pas ça. Bon, je vais pas ouvrir toutes les caisses non plus. C'est quasiment tout le temps la même chose. Donc là, moi, j'ai des cailloux. Là, il y a encore un bâtiment là-bas. Bon, en tout cas, là, il faut que je quand même que je construis ma petite base. Au moins, les objets principaux, tout ce qui est de quoi boire, au moins récupérer l'eau. Là, regardez comment ça va fonctionner ici. Je me demande de réparer, mais je ne sais pas comment. Parce que là, il me dit utiliser la réparation du noyau. Pas d'objet correspondant, mais ça pourrait être quoi? Je sais pas s'il me faut des outils, une caisse à outils. Je ne sais pas, il n'y a rien qui m'indique. En fait, tu dois te démerder. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Par contre, la route là, hop, ça c'est la voie ferrée. Voie ferrée. Voie ferrée. La voie ferrée, elle fait tout le tour de l'île. Donc là, je vais poser mes affaires. On va continuer à récupérer ou à vérifier les ressources que j'ai de l'autre côté. Donc juste avant de quitter cet épisode, de terminer cet épisode. Comme ça au moins, j'essaierai de... J'essaierai hors caméra forcément de réparer... Bah de réparer. De refabriquer... De refabriquer mon bâtiment. Et là, je vais vraiment le faire très grand. Il va manquer un bâton. Saleté. Ah, saleté. Je prends un bâton. Ouais, comme ça, moi, mon bâtiment va être vraiment très grand. Je sais pas si je ferai les allers-retours tout de suite pour les pour de l'autre côté, hors caméra. Je ne sais vraiment pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que je vais essayer de vraiment fabriquer au moins sur la partie basse qui est là-bas. J'ai pas regardé dedans. Non. Voilà, comme ça moi je pourrais. Je vais barrer techniquement, je peux pas récupérer de l'eau. Ah si. J'ai même pas besoin, j'ai même pas vu, j'avais même pas besoin de faire un récupérateur d'eau. Ben voilà quoi, lui il fait son taf.
J'ai pas beaucoup, je vais voir s'il n'y a qu'une planche que je peux faire. Ouais, c'est bon. Au moins, je remplis mes bouteilles. Cool, je perds mon lit quand même. Bon, après, j'ai de l'autre côté, donc c'est bon. Moi j'ai de l'autre côté, c'est bon, c'est pas si grave. Au moins j'ai un point de spawn ici. Moi si je viens à mourir, voilà. Allez, dépêche. Voilà. On va voir si je sais nager. On va repartir de l'autre côté. Ma chatte par contre elle est presque morte. Si j'en retrouve une là-bas. J'essaierai de la récupérer. On va voir s'il n'y a pas un véhicule quelque part. Ok, bon, apparemment, y a pas besoin de nager pour aller jusque de l'autre côté. J'espère qu'il n'y aura pas de zombies qui vont aller jusque là. Moi, je crois pas, hein, c'est lui tout à l'heure, bah, sur l'autre côté, j'étais quand même au bord. Pas fatigué, non. Ouais, c'est toujours ce fameux véhicule. Hein. J'allais dire. Vraiment, ça passe, pour le moment, ça passe pas. Hein. Ah, des bouquins. Ça non, ça non. Ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin. Et ça pour l'instant j'ai pas besoin. Donc ouais, du tissu. Munitions. Alors, j'ai quoi d'intéressant? Crosse de fusil, crosse de fusil. Poignée de triangle. Non, non, non. Voilà, ça, j'ai pas. C'est intéressant. J'ai trouvé beaucoup de choses comme ça de l'autre côté. Il y a vraiment pas mal de minerais. Donc les minerais, je crois que je vais vraiment bien me faire ici. Là, je reviendrai quand même avec mon chariot. Hop, hors caméra. Pour récupérer tous les minerais, enfin, il va falloir. Tous les coups, il doit avoir encore pas mal d'engrais, du béton. Et là, j'irai chercher de l'autre côté une fois à pied en courant. Ça va aller assez vite. Je me mettrai vide niveau inventaire. Me mettrai vide niveau inventaire, comme ça, moi, je pourrais récupérer un maximum de ressources. Ouais, là-bas, ça a l'air d'être une carrière. Moins, on sait ce qu'il y a dans ce grand bâtiment.
Bon, pour l'instant, on a trouvé qu'un camp ennemi. Donc le camp ennemi, il est là. Moi, là, c'est bien parce qu'en ayant mon lilas, je vais le laisser, je vais le garder comme spawn quand on ira les attaquer. Sans moi, je serai tranquille si je viens à mourir. Il y a beaucoup de minerais par terre. Oh merde, je l'ai cassé. Une masse. Hein. Comme là, il y a un camion, il a l'air d'être en bon état. Tu peux pas trouver les clés et le récupérer. Pas mal de minerais à terre, ça c'est cool. On va voir ce qu'il y a dans les caisses. Encore des minerais. Au moins, le calcaire ici, je pourrais trouver peut-être mon béton. À mon ciment H, donc c'est bien le calcaire. On va peut-être le récupérer parce que je pourrais peut-être faire le verre que j'ai besoin. Ça peut être, j'ai pas besoin. Petite biche, on va le prendre. Comme ça, moi j'en aurai fini. Oh, par contre, marque rien d'intéressant sur le marteau. Chercher des marmites la dernière fois, il y en a tout plein, c'est abusé. En tout cas, j'ai des minerais de fer. On a trouvé un coin à argile, donc ça c'est bien aussi. Il y a pas mal de pioches. Attends, moi je pourrais remplir un petit coffre de pioches, de haches en fer. Tout récupérer. Tout récupérer ici, bah pas pareil, hein, ça va prendre du temps. Par contre, j'aimerais bien récupérer une hachette. Comme pareil, niveau pied de biche, ça c'est super si j'en ai besoin. Ciment, regardez, il y en a vraiment pas mal. Calcaire. Oh, ça a l'air immense en plus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de minerais, de calcaire, de d'outillage en fer, aluminium, salpêtre, calcaire. Du ciment, des minerais à terre.
Là, pareil, hein, il y a beaucoup d'argile. Niveau souffle, tout juste. Hein. Ah! Que demander de plus? Bon, en tout cas, si vous voulez déminerai sans vous fouler, allez les récupérer donc en les minant. Ouais, ici c'est l'idéal quoi. Regardez, il n'y a que ça à terre. Il y en a encore à fond là sur les côtés s'il faut. Donc ça c'est très très bien. Donc là, une carrière. Donc là, l'aéroport, donc ça c'est sûr. Va reprendre quand même un peu mon souffle. Quelques petites maisons. Donc j'aurais peut-être des... de l'alimentaire. Pommade, ça c'est bien pour la santé. Garage. Munitions. Il n'y a pas une boîte de réparation pour les véhicules? Parce qu'à partir de là, je vais chercher hors caméra notre petit véhicule qu'on avait trouvé dans le premier épisode. Ça m'étonnerait qu'on pouvait le trouver cette ressource, sinon on l'aurait déjà trouvé. Quasiment sûr. Bon, à moins que c'est vraiment dans des endroits spécifiques. Vraiment. Vraiment pas mal de place, pas mal d'emplacement, je vais dire. Une bouteille d'eau, donc ça c'est cool. Même si je pourrais faire oh, pas mal de nourriture, je suis presque vide, on va prendre. Je peux. Je vais revenir quand même assez rapidement avec mon chariot. Non, le bouquin, on va le laisser là pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. J'ai un fond de nourriture, ça c'est cool. Ah, une grande bouteille d'eau, ouais, j'ai encore de la place. Voilà,
Pas trop besoin. Taille 2 parce que ici j'en ai plus. Alcool, ça je prends. Salle de bain, souvent des médicaments. Pas du tout. Poignée à linge. Ouais. Bon, pierre déco, pareil, je pourrais revenir pour du tissu. Oh, pas mal de linge. Ça va être bien. Pourquoi je vais être en hiver? 35. J'ai des mini frises là, je sais pas pourquoi. Salle de bain. Cool. Ça, je peux jeter. Quand je regarde, je peux même pas faire de place. Voilà, ça va être trop d'emplacement. Au pire, ça, je peux jeter. Voilà. Alors là, je suis full de GFO là. Voilà, comme ça, moi, tu me fais plus chier, plus de bras, plus de chocolat. Allez, on va se tailler, si bien j'ai plus de place sur moi. Donc là, c'est très très bien. Là, on s'est encore très très bien mis. Niveau ressources, voilà, je vais faire ça. Tant que je range là le côté en haut, j'aime pas ça, ça m'énerve, c'est mal rangé. Ouais, on s'est quand même bien mis niveau ressources en peu de temps. Donc là, on va être très très bien. Il y a encore énormément d'emplacements, de choses à visiter. L'avantage ici, en restant ici, c'est que j'aurai vraiment pas mal de minerais, des minerais que j'avais pas de l'autre côté, comme du calcaire, du salpêtre. J'aurais peut-être directement les ressources, soit dans les coffres ou soit directement des cailloux à miner. Je ne sais pas. J'ai un marchand ici que voilà, que je n'ai pas encore découvert, que j'irai voir avec vous dans le prochain épisode. On ira voir le bateau aussi dans le prochain épisode. Savoir ce qu'il y a dedans, ce qui est intéressant. L'emplacement là, savoir ce qu'il y a, en sachant qu'ici il y a un truc à réparer. L'emplacement là. Ah, si je nage quand même. Ça va, il faut pas de stamina.
Donc voilà, là, niveau ressources, on est bien. Je ferai les allers-retours, comme je vous avais dit. Donc là, avant le prochain épisode, mon bâtiment sera construit. On va, moi, la plupart des choses, vu que j'ai un chariot, j'ai voilà, j'ai déjà un fond de choses ici. Ça pourrait être très très bien. J'ai de la nourriture, j'ai vraiment pas mal de nourriture, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire. J'ai pas mal d'outils que je peux aller récupérer aussi de l'autre côté. Donc ça, c'est très très bien. Ranger ça, hop. Voilà, c'est bien ça. Et c'est deux. Je peux mettre là. Ah non. J'ai oublié. Merde, c'est vrai qu'il me manque un emplacement, ben voilà, c'est pour ça. Et je peux même enlever ça pour mettre ça et une petite barre. Au moins, c'est fait. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura vu ce qu'il y avait dans les alentours ici. Dans le prochain épisode, on ira voir le marchand, pour savoir ce qu'il nous propose. J'irai bien faire celui-là, ce et celui-là, parce qu'on a vu que celui-là. Ici, on ira faire un petit tour, voir si c'est pas un coin et demi. J'ai cru entendre un zombie. On va essayer aussi, donc je vous dis, donc je vais essayer de construire ma base pour le prochain épisode, comme ça au moins on sera bien, on sera même très très bien. Ça sera tranquille. Et moi je pourrais tout ranger parce que là c'est le bras-bras dans les coffres et je déteste ça. Et ça, je peux le remettre ici. Voilà. Et puis ça, quand on regarde, j'en ai plus besoin. J'essaierai de récupérer quand même un maximum d'outils pour les mettre chez moi. Donc là, on verra parce que là, au niveau de la hache, ça va faire vite galop. En peu de temps, j'aurai pas rien. Donc, moi, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire, un petit pouce. Vous savez que ça me fait toujours, toujours, toujours plaisir. Et vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao les bidous. À la prochaine dans un nouvel épisode.